Salut à tous et à toutes, c'est Shadow Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la première vidéo sur Nintendo Switch parce que j'ai sauté le pas et j'ai décidé donc d'acheter cette console, la Nintendo Switch. Et donc on va commencer avec une vidéo sur Super Mario Odyssey que j'ai pris avec la console parce que voilà, les autres jeux je les ai plus ou moins sur Wii U. Donc je suis désolé pour la qualité d'enregistrement etc, vu que c'est la première vidéo je pense que ça va pas être hyper foufou, mais bon, j'essaierai soit de m'améliorer plus tard ou de voir comment améliorer ça. Notamment, je vois à l'écran que par exemple, l'écran est pas totalement. Enfin voilà, bref, il y a plein de trucs à arranger. Donc, c'est la première vidéo. Ça va peut-être pas être top sur la Switch, mais c'est pas pareil. Hein, c'est une nouvelle façon de rechoper le truc. Donc voilà. Donc, j'espère quand même que la vidéo vous plaira. Donc, comme je vous ai dit, c'est le premier jeu sur Switch. Alors, j'avais un peu tâté la Switch chez mon meilleur ami qui l'a, mais il n'avait pas Mario Odyssey, il avait Mario Kart 8, jeu que je connais déjà sur la Wii U, donc je voyais pas trop l'utilité de le prendre, etc. Et là, j'ai craqué tout simplement parce que va y avoir Pokémon Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu. Et pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, parce que bon, sur la chaîne, je peux pas trop en montrer de Pokémon vu que c'est hyper cher pour pouvoir faire des vidéos sur la 3DS par exemple. Donc je peux pas vous faire de vidéos sur 3DS, je peux vous faire que des vidéos sur Wii U ou bah maintenant Switch, mais sur 3DS, sur les consoles portables, c'est impossible. Chose que je trouve dommage parce que c'est vraiment, il y a vraiment des jeux Pokémon que j'aurais voulu vous montrer. Mais enfin bref, je suis un gros fanat de Pokémon et alors ça peut paraître débile d'acheter une console pour un jeu, mais voilà, c'est comme ça. Alors après, c'est pas forcément que pour un jeu parce que justement j'ai acheté Mario Odyssey et j'ai acheté également, pas One to Switch mais merde, Sniper Clips, un jeu que je vous recommande énormément, qui est un jeu excellent à deux. Et justement la Switch qui a pas mal de comment dire, de capacité pour jouer à deux, et bah Sniper Clips s'y prête vraiment. Et si vous connaissez pas ce jeu, je vous invite vraiment à l'acheter. Il coûte vraiment pas cher, il a 25€ je crois en neuf. En tout cas c'est le prix que je l'ai acheté, donc voilà, franchement foncez dessus. Et voilà, j'essaierai peut-être de vous faire une vidéo dessus, mais ça va être un peu plus compliqué parce qu'il faut deux personnes et malheureusement j'ai pas deux personnes tout le temps avec moi. Et généralement quand on est deux, bah voilà, je préfère jouer ensemble que dire attends j'enregistre une vidéo, etc. Donc voilà. Donc ce que vous voyez c'est mes tout premiers pas sur Mario Odyssey, c'est pour ça que vous allez me voir galérer. Parce qu'il y en a peut-être qui le savent, j'en ai peut-être parlé sur mes vidéos que j'ai fait sur Wii U sur Mario, mais je suis pas très fanat du plombier, je suis plus fan de Sonic. Et du coup bah je l'ai quand même pris. Vous allez me dire bah t'es bête, pourquoi tu l'as pris? Parce que j'ai beaucoup plus de facilité avec les Mario 3D, mais par exemple les premiers Mario, j'ai vraiment du mal, alors que je les ai, hein. J'ai Super Mario Bros 1, Mario Bros 2, Mario Bros 3, je les ai, les versions NES, je crois même que j'ai les autres, mais j'ai quand même sauté le pas pour Mario Odyssey, parce que j'ai dit voilà, avec la Switch, il me faut un jeu que je n'ai pas forcément. Et du coup, je trouvais que Mario Odyssey était le bon pas à sauter, vu que les autres, je les ai sur Wii U. Alors, mon avis pour le début, c'est que je trouve extrêmement joli, comme la plupart des jeux Nintendo, on doit l'avouer. Hein. Je trouve, bon là, vous avez le rendu pas hyper top à la caméra, mais enfin, l'enregistrement, mais franchement, une fois en main, c'est plutôt très joli. Alors, je suis pas trop adepte de la Switch en mode portable. Alors, vous allez me dire, c'est débile d'acheter la Switch pour ça. Alors, bien sûr, j'y joue un peu en mode portable, mais pour Mario Odyssey, en tout cas, pour mon avis, je le trouve quand même plus agréable à jouer en mode télé, donc en mode sur le dock et jouer sur la télé. Je le trouve vraiment beaucoup plus beau dessus. J'ai un peu de mal à le prendre en portable. Mais enfin bref, donc mon avis que je vais vous donner, c'est vraiment sur le mode télé, parce que le mode portable, j'y ai joué une demi-heure, mais en fait, bah, je préférais le voir sur la télé. Je suis désolé pour les bugs d'image, je sais pas à quoi c'est dû, mais enfin bref, c'est voilà, comme je vous dis, c'est le premier enregistrement sur le jeu, donc va peut-être y avoir des petits soucis, ça c'est comme ça, j'y fais un peu à la one again. Donc bref, pour en venir à mon avis sur ce jeu, alors je le trouve donc très joli, mais aussi par le gameplay. Alors j'ai un peu de mal franchement à jouer, parce que là j'y jouais donc avec le support qui sert au Joy-Con. Donc vous savez, le truc qui ressemble à une manette, on clipse les Joy-Con dessus, et du coup ça nous fait une pseudo manette. Alors peut-être dans l'avenir je me prendrai une manette Switch Pro, pour l'instant bon, avec le peu de jeux que j'ai, j'en vois pas l'utilité, mais j'ai vraiment un peu du mal à jouer avec les Joy-Con, surtout quand ils sont séparés à deux, je trouve les manettes vraiment petites. Ça n'empêche que c'est vraiment hyper cool de pouvoir jouer à deux sur une console sans devoir ajouter 50€ au minimum pour une autre manette.
Donc ça, c'est un bon point. Je sais que Mario Odyssey est capable de, est possible de jouer à deux. Je l'ai pas fait à deux, mais je pense que ça doit être assez simple parce que bah je vois pas vraiment comment l'autre joueur peut jouer. Alors j'ai lu que c'était avec le chapeau, mais j'essayerai quand même. J'essayerai quand même à deux pour voir. Enfin voilà. Alors, après, pour vous donner quand même mon avis sur la Switch, parce que bon, sur Mario, bon, il ressemble un peu à... Enfin, pas à tous les jeux Mario, parce que voilà, mais j'ai un peu du mal, moi, avec le plombier. Il est vraiment très beau, le gameplay est sympa, le fait de pouvoir, avec le chapeau, se transformer en, en animaux ou en ennemis, etc., comme vous allez le voir, là, avec les... Ah, j'ai du mal avec les noms, je crois que c'est les Chumps, mais je suis pas sûr. J'ai vraiment du mal avec Mario, je suis vraiment... Oui, voilà, c'est le Chump. Je suis pas si mauvais, au final, j'avais vraiment bon sur le nom, hein. J'étais pas sûr de moi, mais apparemment, c'est bien le Chump. Donc voilà, vous pouvez mettre le chapeau sur le chomp et vous pouvez donc le contrôler et le faire partir en arrière pour détruire les rochers qui sont derrière et puis d'autres rochers qui sont un peu sur le côté, donc ça va vous permettre de débloquer d'autres zones. Donc bien sûr, là c'est le premier monde, donc j'imagine qu'après il va y avoir d'autres choses à faire avec d'autres personnages du jeu. Mais en tout cas, pour le moment, c'était les chomps. Donc pour revenir un peu sur mon avis sur la Switch, alors je trouve que c'est une... j'ai eu du mal à l'acheter au début parce que moi qui ai la Wii U, je trouvais pas ça utile d'acheter la Switch, tout simplement parce que la plupart des jeux qui étaient sortis dessus étaient les mêmes que sur Wii U. Donc par exemple Zelda Breath of the Wild a failli me faire acheter la Switch, et après je me suis dit bah non, c'est une version Wii U, et c'est le cas, c'était une version Wii U. Là je vois qu'il y a par exemple Donkey Kong Tropical Freeze qui était sur Wii U, Mario Kart 8, etc. Super Smash Bros aussi, dont à l'E3 ils nous ont fait une pub énorme pour Super Smash Bros. Alors je suis pas un fan de Super Smash Bros, hein, voilà, je les ai quasiment tous sauf la version Wii U, mais je suis pas du tout fan des Super Smash Bros. Donc voilà, je les ai plus pour la collecte que pour y jouer vraiment. J'y joue avec les amis, mais moi j'ai vraiment du mal, et voilà, c'est comme ça, il y a des jeux qu'on a du mal, et moi c'est le cas avec Super Smash Bros. Donc voilà, j'achèterai sûrement pas la version Switch, ou alors si je la jette, c'est vraiment que je l'ai trouvé à bas prix, mais je la jetterai pas dès sa sortie par exemple. Mais enfin bref, pour revenir à ça, donc il y a énormément de jeux qui existent sur Wii U qui ont été adaptés sur Switch. Alors moi je trouve que c'est une bonne idée de faire ça pour ceux qui n'ont pas eu la Wii U, qui étaient un petit peu, je sais pas, qui avaient un peu du mal avec l'aspect Wii U et qui sont plus adeptes à la Switch. Je trouve ça génial parce que voilà, moi par exemple, mon meilleur ami qui n'a pas acheté la Wii U, bah lui, ça lui fait une tonne de jeux dès la sortie de la console à jouer. Et ça, c'est plutôt cool. Et je pense que Nintendo, de leur côté, ça leur a pas coûté très cher vu que c'est des réadaptations. Y a même pas besoin de refaire des remasters ou quoi. C'est les mêmes jeux, mais en version Wii U, en version Switch, pardon. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée pour eux, mais pour ceux qui avaient la Wii U, bah c'était pas très utile, à part pour Super Mario Odyssey qui était sorti, qui était vraiment un jeu nouveau qui valait le coup. Alors bien sûr, il y a d'autres jeux, hein. À côté, il y a eu par exemple One to Switch, mais que je trouve un peu débile de l'avoir mis à part, qui pour moi aurait fait un excellent jeu à mettre avec la Switch, parce que la Switch est vendue sans jeu, et je trouve ça un petit peu dommage, parce qu'on est obligé de rajouter un truc, alors que One to Switch s'y serait prêté, mais très fortement. Et ensuite, donc, il y a Sniper Clips, il y a d'autres jeux, bien entendu, exclus. Mais pour moi, ça valait pas le coup pour l'instant de mettre autant de sous pour quelques jeux. Mais là, avec Pokémon qui arrive, et sachant que je suis un gros fanat de Pokémon, et qu'il commence à y avoir quand même des jeux exclus sur Switch, je me suis dit, ça vaut le coup de sauter le pas et de tenter, et de voir ce que ça donne. Donc franchement, voilà, moi j'aime bien le fait qu'on puisse jouer à deux, je trouve ça bien. Le seul truc que je trouve dommage, c'est par exemple le côté esthétique. Alors, la console est très belle, hein. Une fois en mode portable, elle est très belle. Mais dans le dock, j'ai du mal avec le dock. Le dock, je le trouve trop sombre. Alors, je demande pas à ce qu'il ait des néons, etc. Mais je le trouve trop sombre. Alors, je sais qu'il existe sur des sites internet des trucs pour décorer le dock. Alors, je vais sûrement en acheter un. Mais je le trouve très sombre, très, très simpliste. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais après, vous allez me dire, la PS4 ou la One... Une fois allongée, etc., c'est vrai qu'elle est pas très belle non plus, et c'est vrai. La Switch a peut-être un peu plus de gueule, on va dire, de ce côté-là, mais esthétiquement, Nintendo a toujours fait des trucs très jolis. Alors bien sûr, je l'ai prise en mode coloré, en mode néon, je crois, mais pas en mode gris, parce que le mode gris, je trouve ça totalement moche, déjà que voilà, le dock est assez sombre, alors acheter un truc sombre devant, non merci. Donc voilà pour ce qui est du côté esthétique. J'ai vraiment du mal, comme je vous ai dit, à jouer avec les doubles... Quand on retire les Joy-Con, j'ai vraiment du mal à jouer avec un Joy-Con dans les mains, c'est-à-dire en mode de joueur. Après, c'est pas injouable, hein, ça reste jouable, mais si vous avez des grosses paluches, ça va être un peu plus chaud, tout simplement.
C'est juste ça que je trouve dommage. Après, en même temps, c'est pas évident de faire deux manettes sur une console, comme il l'avait fait à l'époque pour la Famicom, si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne. Normalement, c'était la Famicom qui avait deux manettes. Donc avec la Famicom, il y avait le souci, par exemple, que les fils des manettes étaient reliés à la console. Donc, fallait être vraiment à même pas un mètre. Je crois que le fil fait même pas un mètre sur la Famicom. Donc c'était vraiment chiant. Là, bon, en l'occurrence, on peut quand même aller un peu plus d'un mètre. Mais voilà, si vous avez des grosses paluches, vous allez avoir un peu de mal à jouer. On va avoir un petit temps d'adaptation. Moi, je sais que sur Mario Kart 8, quand je l'ai testé chez mon ami, c'était assez dur à la fin d'y jouer parce que j'avais mal aux mains. Mais ça reste jouable et ça reste assez sympa. Après, bien sûr, il y a des accessoires à côté comme le volant, etc., que vous pouvez mettre pour agrandir votre manette, donc voilà, mais bon, c'est des trucs à rajouter en plus. Et sinon, la console est vraiment esthétiquement très belle, moi je la trouve vraiment bien. Alors c'est juste une tablette avec deux Joy-Con, mais je trouve que ça fait le taf. J'aime bien avoir des écrans grands, j'ai toujours acheté des DS XL, alors j'ai généralement acheté les DS dès leur sortie, mais ensuite je les revendais pour acheter la version XL, parce que j'ai du mal avec les versions simples, avec les écrans petits, j'avais vraiment mal aux yeux. L'avantage, c'est que la Switch a un écran assez grand, donc il n'y a pas de souci, c'est un peu plus grand. Je crois que ça doit faire à peu près la même taille que l'écran du Wii U Gamepad. Donc c'est plutôt très correct niveau écran. C'est pas trop grand, c'est pas petit, et ça passe vraiment vraiment bien si vous voulez jouer en mode portable. Donc non, franchement, de ce côté là, c'est vraiment cool. Le mode portable est vraiment sympa. L'autonomie, je crois, est de 3 heures si vous jouez en, on va dire, avec le mode avion, etc., etc. Donc ça reste correct, c'est pas ouf, mais en même temps faut vraiment que la console tourne, etc. Il y a les deux Joy-Con, etc. à faire, donc c'est un peu normal qu'elle tienne pas non plus des heures et des heures comparé à une DS, une 3DS, ou 2DS, etc. Ou que là c'est vraiment des consoles qui sont faites pour le mode portable. Or elle, bah, elle doit faire le mode portable et le mode salon, donc c'est un peu normal qu'on en perde un peu niveau, on va dire, niveau batterie. Bref, pour terminer un peu sur mon avis donc sur Mario Odyssey, là vous avez eu mon avis sur la Switch, que je trouve vraiment bien, en même temps, voilà, sinon je l'aurais pas acheté. Mon avis sur Mario, alors, c'est que je trouve vraiment très joli, comme je vous ai dit. Le gameplay, bon bah je suis habitué au Mario 3D maintenant, j'ai vraiment plus de facilité et de plaisir à jouer au Mario qui sont en version 3D comparé aux versions 2D. Donc moi j'aime vraiment beaucoup, je le trouve très joli dans le gameplay. C'est un peu dur à prendre en main, mais je pense que c'est parce que je suis pas habitué au Mario. Je pense que c'est plus ça que le fait de jouer avec la Switch. Et de ce côté-là, c'est très bon. Et je trouve que moi qui l'ai acheté comme premier jeu pour ma Switch, bah, je regrette pas du tout parce que c'est vraiment un bon plaisir. Sachant qu'en plus, je suis pas fan de Mario et que je suis plutôt à lui cracher dessus. Donc voilà, je trouve que le pari est réussi et que ça me fait pas regretter d'acheter la Switch. Je pense que si à l'époque j'avais acheté la Switch avec One to Switch, là j'aurais regretté mon achat. Mais avec Super Mario Odyssey, je ne regrette pas. Et voilà, donc bien sûr il y aura d'autres vidéos sur la Nintendo Switch, sûrement beaucoup de jeux de démo, voilà, parce que je vais pas en acheter tout de suite, hein. Ça coûte assez cher une console, donc voilà, il va falloir attendre pour les jeux. Mais voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, on se retrouvera mercredi pour une vidéo sur Assassin's Creed, et dimanche prochain pour une vidéo sur un nouveau jeu. En attendant, moi je vous dis geek et bien, c'était Shadow Nightmare, et à la prochaine vidéo.